Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un livre fil d'art. Voilà, attention. Alors, c'est un livre fil d'art, mais que je n'ai pas acheté sur le site fil d'art. Je l'ai acheté à une dame qui a une boutique une mercerie de laine, tout ça, et qui donc qui est sur un groupe fil d'art où je suis aussi, et qui vendait donc des pelotes, des catalogues, tout ça pour le Téléthon. Donc j'ai vu qu'il y en avait un qui me plaisait, le catalogue, et puis je voulais faire un geste également pour le Téléthon. Donc, ben, j'ai pris, voilà. Et j'ai choisi un modèle Fifille. J'ai choisi, alors vous allez le voir à l'envers, mais je vais vous le remontrer face bureau après. Celui-ci, c'est tricot pour les rondes. Voilà, donc, hein, c'est l'actualité pour moi. Donc, alors c'est une édition Marie-Claire. Y a, je ne sais plus combien de. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, mais je ne sais plus combien il y a de modèles dedans. J'ai pas fait attention. Donc, c'est à la base, c'est un livre qui coûtait 14,95 € et que j'ai eu à 6 euros. Voilà, plus les frais de port, mais enfin, les frais de port, j'ai payé 2 euros. Donc, ça va. Donc, comme je disais, c'est une édition Marie-Claire. C'est un gros livre hein, quand même, c'est un livre broché là. Et il y a de jolis modèles dedans. Pas compliqué. Et je sens que je vais craquer sur certains un petit peu à la fois pour les faire. Voilà. Donc si Fifi veut bien, je vais vous les montrer. Face bureau. Hein, Fifi, tu veux bien qu'on les montre? Tu veux qu'on montre ça? Oui, elle me lèche. Eh oui, on a mangé du poulet, hein. Mais, pourtant, maman l'a lavé ses mains, mais ça doit encore sentir le poulet. Hein? Allez, je vous mets face bureau et je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc, voilà. Et voilà Fifi qui passe. Allez, Fifi, viens par là. Allez, bouge. Bouge. Elle ne veut pas bouger. Alors, donc c'est tricot pour les rondes. Il y a 25 modèles dedans. Expliqué de la taille 42 à la taille 60. Vous voyez, j'ai payé 6 euros. Donc, pas cher. Alors, le premier modèle. Alors, attendez, je vais pousser mon ordi pour bien centrer. Voilà. Donc, c'est un pull aérien, comme ils appellent, en fil mohair soie. Voilà, donc tricoté en jersey en fil double avec des côtes 1-1. Donc là, on a les explications tout de suite. Hein. Donc, c'est des modèles assez faciles, vous hein, voyez. Le deuxième, c'est une veste en fil irlandais, tricotée en jersey avec des côtes 1-1 également. Voilà. Ici, on a un pull col V. Alors, attendez, j'essaye de. Voilà. Pull col V avec un fil nuage en jersey rayé en vert avec des finitions en code 2-2. Un chèche
Donc en fil light, tricoté au point fantaisie. Donc là, on est les explications du pull. Donc de la taille, vous voyez, 42 jusqu'à la taille 60. Ça, c'est pour le chèche. Donc avec la grille, hein, pour faire, puisque là, c'est avec des trous-trous. une veste à pan basculé avec le fil nuage tricoté en jersey avec une finition e-corde. Voilà, donc voilà, je pense que c'est. Vous voyez, il y a une petite. Comment? On voit que c'est un peu plus épais dans le bas et sur le côté. Donc je pense qu'il faut le coudre à l'envers, faire comme un petit ourlet. Fil nuage, donc c'est de la laine mérinos, c'est polyamide. Alors, pour confectionner une e-corde autour de la veste, des manches de la façon suivante. Avec les aiguilles double pointe, monter 4 mailles, puis tricoter les 3 premières mailles à l'endroit, glisser la 4e maille sans la tricoter. Avec la seconde aiguille, relever maille sur la lisière de la veste, tricoter cette maille à l'endroit, puis placer sur la maille glissée. Oula, il faut lire ça quand la tête n'est pas fatiguée. Alors j'aime bien, c'est ce pull. Le pull cache-cœur. Qualité fil caresse. En jersey avec des cotes 1-1. Là, une écharpe au crochet, donc en bride, avec le fil Othello. Ici, un pull court ajouré, donc au point fantaisie et en cote 1-1, au fil mohair soie. Donc là, c'est l'écharpe au crochet, hein. Et là, c'est le pull ajouré. Celui-là, j'aime bien aussi. Alors, c'est le pull ouvert dans le dos, au dos. Donc, il est fait avec le fil partner 3,5. En jersey avec des cotes 1-1. Là, le chauffe-épaule. Qualité avec le fil Frima. Pardon. Jersey point fantaisie ajouré. Vous voyez, c'est un grand carré simplement. Après, c'est juste le pliage. Un pull carré. Avec la qualité Beaugency, jersey en vert, finition point mousse, une étole en fil mohair soie, au point fantaisie. Voilà, le pull carré, donc il se tricote en une seule fois.
l'étole. La veste longue avec le devant un peu arrondi au point de sable et en cote 1-1. Point de sable, c'est pas un point compliqué. Hein. Le pull avec un empiècement ajouré ici sur, en haut là devant. Fil diamant. Alors, tricoté en jersey avec le plastron au point fantaisie et la finition cote 1-1. Vous voyez, on le voit mieux là. Le pull à col rond. Avec les côtés arrondis, on va mieux le voir sur une autre image après. Alors, qualité lampe soule, jersey et finition. Je crois que je vous ai pas dit à côté depuis l'avant. Ah, si, fil diamant, si je vous l'ai dit, excusez-moi. Un snood en fil nébuleuse et fil light. Alors, il y a peut-être des fils qui n'existent plus hein, chez Fil d'Art, mais il y a des fils qui équivalents, donc en jersey rayé. Donc, vous voyez ce que je vous disais, les côtés arrondis. Voilà, on voit bien là. Donc le snood. Ici un pull poncho avec le fil douce tricoté en jersey en vert. Voilà. Donc il y a deux pièces à faire, hein, c'est tout. Un dos et un devant. Un petit gilet court. En lampe soule aussi. Donc, en jersey et en cote de 2. Un poncho, qualité neige, en jersey en vert. Et ici, un pull tricolore en alpaga, fil alpaga, tricoté en jersey et en cote de 2. Donc là, l'explication du poncho. Ici, le pull tricolore, donc le dos et le devant, vous voyez, c'est un gros... deux grands rectangles à faire. Donc, pas compliqué. Hein. Le fil looping en veste à pan arrondi. Oh, mais excusez-moi, mais j'ai un chat dans la gorge. Donc, avec, voilà. Le côté arrondi. Une veste courte. Donc en partenaire 6, tricoté au point de riz. Un pull col de bénitier en fil light avec des cotes fantaisie et des cotes 1-1. Une écharpe à franges
en fil frisou et fil Beaugency, donc tricoté en jersey avec des franges. Une écharpe, l'écharpe à franges, voilà les explications. Ici, on a une veste manche trois quarts avec du fil mérinos 3,5, jersey et cotte 1,1. Et je crois que c'est le dernier, si je ne me trompe pas. Oui. Donc ici, on a les sigles d'entretien qui expliquent les abréviations. Et ici, on a les récaps des fils utilisés. Donc comme dans les catalogues, hein, avec le métrage, les échantillons. Comment il faut les faire pour faire des échantillons 10-10. Donc vous avez les rangs et les lignes, enfin les rangs et les points et les mailles, je vais y arriver, excusez. Et là les aiguilles, les tailles d'aiguilles. Il y a Fifi qui repasse, désolé. Et là on a une récap des photos avec les de certains modèles. Voilà. Bouge, Fifille. Là, on a encore une liste des abréviations. Donc, voilà. Mais je trouve ce livre très bien. Bon, je ne sais pas de quelle année il est. J'ai pas vu l'année. Je vais regarder à la fin, peut-être que ce serait marqué. Mais... Alors, ah ben si, c'est marqué. Il est de 2018 et il a été en réimpression en 2019. Voilà. Moi, je vous mettrai quand même les références. Peut-être que vous pourrez le retrouver. On ne sait jamais. Je vous mettrai le. Si j'ai la référence du livre. Oui, j'ai l'ISBN. C'est la référence du livre. Avec ça, vous pouvez retrouver le livre. Si jamais ça vous intéresse, puisque là il n'est pas en vente chez Fildart, hein. Mais je trouve les modèles assez simples et simples, mais bon, assez sophistiqués quand même, jolis et bien pour nous les rondes. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Fifi, tu mets ta grosse tête là, on voit plus rien. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.